des centaines de mètres de rayonnage, des romans, des essais, cela va du manuel de bricolage au recueil de poésie. Ici, on a dans ces magasins à peu près 100 000 ouvrages sur les 300 000 ouvrages dont la bibliothèque départementale dispose. L'intéressant dans une bibliothèque, c'est que le plus d'ouvrages soient sortis. Et dans une médiathèque, une des questions cruciales, c'est celle du choix des ouvrages. Un équilibre difficile à trouver. Il faut que les livres qu'on achète intéressent le plus de gens possible. Ce ne soit pas trop difficile, trop facile aussi, ou de qualité moyenne, comme des livres people. Ainsi, les mémoires de Nabila, malgré une demande assez forte, n'ont pas trouvé place dans les rayons. À Saintes, les agents travaillent aussi en étroite collaboration avec les bibliothécaires pour être très réactifs aux souhaits des lecteurs. Par exemple, il y a une bibliothèque qui vient de m'écrire en disant qu'il y a un ado qui aime les romans policiers, qu'il a tout lu dans la bibliothèque et qui, du coup, demande encore plus. Donc là, j'ai fait une petite sélection de romans policiers pour un jeune ado. Je prépare des lots d'ouvrages destinés aux assistants familiaux. Nous avons une session de formation à leur égard pour les sensibiliser à la lecture publique et à la littérature jeunesse. C'est le Bibliobus qui va ensuite effectuer la livraison dans chacune des 200 communes du réseau, un service public au plus proche des citoyens.